Satnam, ici Wakan. Bienvenue à cette méditation guidée sur le messager, la messagère de lumière. Pèlerin des temps modernes, dont la mission est de rayonner, de dissiper l'obscurité, d'éclairer par sa simple présence où qu'il se trouve. Installez-vous confortablement. Allongé sur le dos, jambes décroisées, pieds tombant de part et d'autre, bras le long du corps, paume de main ouverte tournée vers le ciel. Ou assis, assise, en posture de méditation. Jambes croisées dos droit, menton légèrement rentré, bras relaxés, mains ouvertes posées sur les genoux. Ou encore assis assis sur une chaise, le dos droit, non appuyé au dossier, plante de pied à plat sur le sol. Fermez vos yeux et entrez dans votre espace intérieur. Prenez conscience de votre respiration. Du mouvement de votre souffle. Observez son rythme naturel sans l'influencer. Vous sentez qu'une respiration longue et profonde est en train de s'installer. Et vous la laissez prendre toute sa place dans un flux régulier. C'est votre corps tout entier qui respire. Prenez conscience de votre corps dans son ensemble. Des points d'appui qui sont en contact avec la surface sur laquelle vous vous trouvez. En laissant la respiration circuler en vous librement, laissez votre corps se relâcher. Décontractez complètement vos jambes. Depuis les orteils jusqu'aux cuisses. Desserrez les muscles et les articulations.
abandonner le contrôle. Faites la même chose avec le bassin et la région du bas-ventre. Relâchez le ventre et la région lombaire. Laissez peser votre dos. Relâchez la cage thoracique et les bras jusqu'au bout des doigts. Décontractez vos épaules et votre nuque. Desserrez les mâchoires. Relaxez les yeux et les paupières. Le front et le cuir chevelu. Vous êtes là, dans la présence de l'instant, calme et relaxé. Comme un pèlerin qui marche vers un lieu saint, vous marchez vers vous-même. Vous effectuez le pèlerinage intérieur. Sur chaque expiration, vous vous délestez des poids, des fardeaux, des illusions. Vous abandonnez les fausses identités, les masques, les rôles, les identités factices basées sur les apparences sociales. Pour être là, simple présence, sans identité. Simple respiration.
toujours bien relaxé, vous laissez la respiration se transformer en souffle, en quelque chose de plus subtil, en énergie. Et vous laissez une sensation de légèreté vous envahir. Vous sentez votre corps devenir très léger, un peu comme si vous flottiez dans l'air. Que la pesanteur n'avait plus d'effet sur vous. Comme si vous n'étiez plus que pure énergie. Vous continuez votre pèlerinage vers vous-même, vers votre lumière, votre soleil intérieur. Vous ne tentez plus de paraître ce que vous n'êtes pas. Vous laissez votre vibration s'élever vers l'empathie, la créativité, la joie de vivre, léger, légère, en corps, en cœur et en esprit. Vous êtes là, calme et profondément relaxé. Vous laissez le mouvement de votre souffle devenir encore plus subtil. Pour se transformer en énergie lumineuse. Énergie lumineuse que vous visualisez circuler en vous. Puis vous laissez votre lumière intérieure rayonner, émaner tout autour de vous.
vous êtes maintenant messager, messagère de lumière. Vous avez découvert l'étoile au cœur de vous-même et vous êtes capable d'éclairer les ténèbres par votre seule présence. Comme un phare dans la nuit. Quelle que soit la situation, au milieu du chaos, des lieux ou des groupes, là où l'énergie est basse, dense et obscure, le messager, la messagère de lumière ne combat pas. Ne lutte pas. Il, elle, éclaire, émane la lumière pour dissiper l'obscurité, l'ignorance. Le messager, la messagère de lumière, n'est pas un consommateur ni un marchand de biens spirituels. Il ou elle ne fait pas de grands discours, ne propose aucun enseignement compliqué. Tout son enseignement tient dans sa seule présence. Dans la douce émanation de sa lumière intérieure. Cette lumière originelle qui nous habite tous. Il, elle, fait briller son soleil intérieur sur tous sans distinction. Parce qu'à un moment donné de son existence, tout le monde peut avoir besoin d'une étoile pour guider sa route. Pour indiquer la direction, comme les étoiles la donnaient jadis aux navigateurs. Le messager, la messagère de lumière, c'est que tout est un. Que la lumière du soleil est la somme des millions de rayons qui la composent.
Il permet à chacun, à chacune, de retrouver sa propre lumière intérieure. Pour devenir à leur tour des messagers, des messagères de lumière. Dans la présence de l'instant, vous sentez cette bulle de lumière qui vous entoure, dans laquelle vous baignez, et qui émane de vous. Cette source lumineuse avec laquelle je vous laisse quelques instants. Vous êtes là, simple présence, prêt, prête, dans la simplicité et l'humilité, à être messager, messagère de lumière. À
œuvrer au rétablissement de l'harmonie, au retour de l'équilibre. À la pacification. Lorsque vous vous sentirez prêt, prenez une grande inspiration profonde, puis expirez doucement en remuant vos doigts et vos orteils. Et reprenez conscience de votre environnement immédiat en ouvrant les yeux. C'était Natobie Wakan. Prenez soin de vous et à bientôt.